est jeudi matin, je crois qu'il est pas loin de 10h. Je quitte Barcarès, donc j'ai rencontré hier Yann à Wooler que je ne connaissais pas. Très, très sympa, on a passé environ deux petites heures ensemble. On a roulé un peu. Il m'a emmené jusqu'à un camping parce que c'est vrai que Barcarès, bah, c'est pas très grand, il n'y a pas de petits odeurs. Enfin, bref, j'ai pris un camping, j'en ai eu pour 20 euros à peu près. J'ai eu le droit à un petit orage en la nuit, ça va, la toile de tente elle a tenu bon. Et dans la nuit, ma tente a été habitée. Putain, ouais. Heureusement que je me suis réveillé. J'ai vu au-dessus de moi, il y avait une belle araignée avec un joli corps comme j'aime. Donc il a fallu que je sorte de la toile de tente, que je fasse tout ce qu'il faut pour l'évacuer. Et évidemment, bah, j'ai dû m'en séparer. Paix à son âme. Voilà. Donc là, bah, je suis parti direction. Aujourd'hui, mon étape, c'est jusqu'à Béziers. J'ai à peu près une centaine de kilomètres. Donc je sais qu'il faudra que je m'arrête pour charger, de toute façon c'est sûr. Donc j'espère qu'il fera beau, au moins qu'il ne pleuve pas. En tout cas, ce qui est génial ici, c'est le paysage. Bon là, vous ne verrez pas grand chose, il y a des pins. Mais donc il y a des montagnes de partout, enfin bon, il y a la plage qui est pas loin, c'est vraiment super. Quoi. C'est l'endroit idéal pour y passer des vacances. Quoi. Encore mieux, Yann, je l'envie parce qu'il y vit, donc voilà. Bon allez, on roule, tant qu'il y a du jus. Bonjour. Ah, c'est marrant les maisons comme ça. On se croirait au Brésil, non, aux favelas. Ou au Mexique peut-être, je sais plus. Je crois que j'avais raté la piscine là-bas. Là, voilà. C'est mieux. Je me sens plus en sécurité. Je me suis arrêté à côté de l'étang Salle Le 4 avec une jolie vue. Je me suis arrêté boire un petit café et en principe ça ne va pas traîner. J'en connais un qui va arriver, c'est M. Yann. Hop, ça passe. Dis bonjour à la caméra. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, nickel. Voilà, je suis pas fier. À n'importe quel moment, on peut se casser la gueule. Oula. Ah, c'est où là? Là, je prends même pas le risque de démarrer ici. Je prends pas le risque de démarrer là. On dirait de la vase.
Bonjour. Bon ben je viens de traverser Narbonne, enfin traverser, je me suis arrêté deux petites heures pour charger ma roue. Donc là maintenant je suis parti direction Béziers, j'ai réservé un Formule 1 pour 38 euros. Donc pour l'instant ça va, tant que je vais pas en tout, enfin tant que je dépasse pas les 50 euros, ça me va, ça reste dans mon budget. Et comme ça je vais pouvoir bien me reposer cette nuit. Donc là j'ai à peu près 2h15 pour arriver jusqu'à Béziers. Donc c'est bon, on est dans les temps. Il pleut pas, il fait bon. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Mais apparemment, pour le reste de la semaine, il y a du vent qui est prévu. Donc on va voir si je m'envole. Avant d'arriver à Narbonne, le circuit que j'ai emprunté, donc le circuit officiel, c'était pas terrible, hein, le long du canal. Beaucoup de cailloux, beaucoup de gravier, beaucoup de perte de temps parce que évidemment je peux pas rouler vite. Il est hors de question que la roue aille dans le canal et que le bonhomme aussi par la même occasion. Donc du coup pour aller à Béziers, j'ai préféré ne pas suivre l'itinéraire et donc j'utilise la géo-vélo. Je vais gagner du temps parce que sinon je pense que là par géo-vélo, j'avais à peu près 2 heures, je pense qu'en suivant l'itinéraire j'en avais pour 3 heures. Donc je préfère y aller tranquille. Try to battle rap, snap, crack a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. À gauche. Dans 450 mètres, tournez à droite sur avenue Frédéric Mistral, D6009. Sens interdit, mais apparemment il me fait passer par là. Ah, Valras Plage. Ça me rappelle des souvenirs. Et me voilà arrivé dans le département de l'Hérault. Yes! Ah, j'aime bien les petites routes comme ça là. Ça sent l'air du sud en même temps. Dans 60 mètres, droite sur canal du Midi. Tournez légèrement à gauche sur piste cyclable. Recalcul en cours. Prenez la direction nord sur voie communale de Côte. Putain, mais c'est quoi ce bordel là? Ah, j'arrive à Béziers. Ah là, c'est magnifique.
point, prenez la première sortie sur boulevard de Verdun. Où est-ce que je suis parti, moi? Ah, bah non, où est-ce que je suis parti, moi? Rejoignez l'itinéraire. Là, c'est le même formula où je suis venu, je sais plus, moi, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, quand j'ai fait le canal des deux mers, bah oui, je suis passé par Béziers. Ah, c'est drôle, ça. Bon, bah, on va bien dormir.